Bonjour à tous. On va faire les courses. Je vais faire les partages, les gars. J'arrive. Je les partage, j'arrive. Je vais partager sur les pages, j'arrive les amis, on va faire les courses. Bien sûr qu'on va regarder qui est-ce qui est monté sur le cheval, le nom du cheval, tout ça, l'écurie, bien sûr qu'on va s'appuyer là-dessus. C'est obligé. On a tous nos méthodes de calcul. Alors, hop, on peut l'enlever ça. Hop, bonjour à tous. Salut Hassan. Merci les amis. On va faire les courses. Merci, merci. Ça vous plaît les gars, faire les recherches avec l'heure. L'heure, l'ancienne arrivée qui vient de se courir et puis le favori, la cote du favori. C'est pas mal, hein? Ça aide quoi, ça aide. Si ça peut aider, c'est très bien. Ah, je vous mets le son des. Salut Ahmad. Salut Hassan. Je vous mets le son, mais je peux pas mettre plus fort. On va peut-être pousser un petit peu par là, peut-être. Le petit Obendich au bout de la ligne des tribunes, avec toujours le meilleur pour le numéro 3, au La Capitale. Axi prêt en deuxième position, le favori Saint-Père est sorti de son. Bonjour à tous. Le troisième, c'est Madame Nalisa, Always Love You qui vient en dedans. J'ai peur que ça craque ce truc-là. On va mettre comme ça. Ça va, bien, impeccable, impeccable. Allez, je verrai Abdoulaye. Je donne au dernier moment Abdoulaye. Évolue ensuite en cinquième position devant Evia de TR Kerman. Je veux bien jeter un œil tout à l'heure pour voir ce que c'est comme course, tout ça, mais c'est Vincennes apparemment. On verra tout à l'heure.
On va faire les. On regarde celle-là, la R3 C3, puis on est parti pour 2 heures là jusqu'au Quintet, même un peu plus. Le Quintet, c'est quelle heure il est déjà là? 12h52, bon. On va faire un peu plus loin que le Quintet quand même. Je devrais faire jusqu'à R1 C3, 15h peut-être. De 13h à 15h, 2h de course, 2h, 2h30. Donc il faut être là les gars. Partagez de votre côté sur les groupes, tout ça, ça serait sympa. Là on est R3 C3. Il n'y a pas beaucoup de partants à Fontainebleau là, ou je sais pas où là. C'est intéressant ces courses là. Je l'avais tout à l'heure, 5 As 2-3 R3 C1. Là. Ben, je regarde quand même, mais voilà, il va y avoir 20 partants là à Val. Ce que je te disais hier avec les courses à grand nombre de partants, ça arrive des fois 20 partants, 30 partants des fois, j'ai déjà vu 30 partants, je sais plus combien là. Incroyable. C'était à l'étranger, mais truc de fou. Bon, il y a 2 courses avant le Quintet alors. Bon, je préfère attendre Fontainebleau, l'arrivée de Fontainebleau pour donner mon Quintet. Le favori. On a les favoris ce matin là, ils font quoi les favoris ce matin? On peut compter dessus ou pas? Tu vois déjà, on peut regarder ça pour le Quintet. Si on va faire nos calculs avec le favori ou pas. Pour les courses, là, il tombe ou pas le favori là? C'est pas trop sa journée, je crois. Il finit premier R2 C3, le favori à 3,7. C'est soit tout ou rien aujourd'hui le favori, non? Il finit 5e R2 C2. R3, il fait quoi? R3 C2, R3 C1, il fait quoi le favori? Un premier, pas mal. R3 C2. R3 C1, il fait combien? Premier aussi. C'est pas mal. Ah, peut-être la journée des favoris. Est-ce que ça commence jusqu'au Quintet, puis après ça part en sucette ou quoi? Il y a du 6 ou 9 ce matin aussi, 6 ou 9 toujours, hein, toujours, là on n'est plus sur la 4e place, du 6 et 9. Et le premier, il fait première de ces 3, le 6. Ouais, bon. On n'a encore pas le rythme de la journée, qu'est-ce qui va se passer, hein? 12 As de 10, 12 As de 10. 2-5-3, 12-2-As. 12-2-As-10, 2-5-3, 2-5-3-4, 2-5-3-6, 2-5-3-8, c'est quoi aujourd'hui, ça va être ça toute la journée ou quoi? C'est possible, hein? Allez, alors on va prendre en compte 2-As-4-5-6, la course qui vient d'arriver là, 2-As-4-5-6, on va essayer de retrouver 6-5-4-As-2, on va prendre l'heure de départ à Fontainebleau là, non c'est à Val. Aval, l'heure de départ, c'est 13h05. Comment on fait 13h05 à 20 partants? Il faut qu'on retrouve 6, 5, 4, As 2. 13h05. Bon, c'est ma première, les gars, hein, du calme. On va chauffer quand même. Il y a du monde, hein, Manuela, pour cette dernière. 19 partants, 1400 mètres, ligne droite. Sans numéro 13, Highborn Ladies, c'est un handicap réservé. 13h05. Comment on fait 13h05, les gars, à 20 partants? Pour toutes les voir, ça va être pas mal. Et puis il y a plusieurs Kazakhs en plus. Ça peut pas pareil. Plusieurs Kazakhs identiques, vous voulez dire? Avec le 6, 6 et 7, 13. À 20 partants, 6 et 7, c'est peut-être sympa à mettre. Après, la cote du favori, c'est à 7,5 aussi. Il faut qu'on fasse 7,5. Il faut qu'on fasse 20. 3 fois aussi le nombre de partants. Il faut qu'on égale l'heure, il faut qu'on égale 6, 5, 4, As 2, la course d'avant. Il faut qu'on égale la cote du favori, 7,5. Il faut qu'on égale 3 fois le nombre de partants. Ah, je peux pas comme ça, Abdoulaye, je peux pas faire cas par cas comme ça.
Je l'enverrai ici, le quintet, t'inquiète pas. Merci les amis, merci, merci. On a pénalisé évidemment, un rating 79, on a passé un rating 83. Et je vois qu'à peu près la même chose. Alors, chez Bookmaker, 15-16 contre 1, il n'y a pas beaucoup d'argent pour ça rentrer et pour faire double handicap. C'était sur ce parcours en plus, hein, 1400 mètres ligne droite, pour l'entraînement de Stuart Petitgroup. Une fille de princesse Stéphanie, vous avez vu, on reste dans les princesses. Hein. Oui, vous allez voir, elle est encore là, la Kazakh princière. Ah oui, encore, bah, c'est passé tout à l'heure. Oh, oh. On a plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Oui, 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 c'est vrai qu'elle a fourni un effort assez... 6-5-4, 6-5-4, As-2. Il faut qu'on fasse 13h05. On est à Val, on a du plat, hein, c'est 1400 mètres. Hein. Du plat, on est quand même plus favorable à retrouver devant les chiffres devant. Merci les amis, merci. Avec un rating 72 au mois de juillet, ensuite c'était beaucoup plus dur avec le rating 79, elle a pris des petites places, notamment la dernière. J'ai envie de répéter bêtement 6-5-4-3-2-As, 6-5-4-As-2 là, la course d'avant, 6-5-4-As-2. J'ai envie de répéter bêtement, mais... C'est ma première course, il faut qu'on fasse 20, 3 fois, 5 fois 4, 20. On aurait le 5, on aurait le 4. 5 moins 4 égale As. Après, on prend 3 derrière, 5, 4, 3. Ou on fait 5, 4, 5, 4 As ou 5, 4, 2. Non, 4 tentatives de victoire, une deuxième. Ou 5, 4, 6. C'était pour les 3 premières courses, c'est la dernière sortie, c'est une 4e place. On fait 5, 4, 6, 7. C'est possible aussi, 5, 4, 6, 7. Sur 1400 mètres, ça c'est un point d'interrogation quand même. Un doute, l'entraînement ici. À 13h50, est-ce qu'on prend bêtement As 3, 5 avec le favori 4? Cette pouliche qui est restée un petit peu là en dernier lieu, donc à voir avec la distance quand même aujourd'hui de 14. Il y a 20 partants, ça serait bien quand même prendre un gros numéro, mais lequel? Entre 10 et 12? Le 12? Le 10, le 11? J'en demande monte, c'est déjà avec Penny. R2C5, il peut tomber le 5 et le 2. Qui a triomphé avec un rating 78 à Val sur 1500 mètres. Ah, je vais regarder qui c'est, tiens, ces chevaux-là, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Flamme Vive avec Nivar, le 7, Enzo River, le 6, le 6 définitivement. Flower of Magalou, le 5, à 104 euros ici. Non. C'est une première sur 1400 mètres, mais elle est raccourcie, et je pense que ça va être pas mal. Non, 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 attends, 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 je la refais, je la refais. White Honey, le 7, Definitely Maybe, le 6, Golden Aspen, le 5, Goddess of Light, le 4, le 3, Belle of Belize, Mama Kera, le 2, Princesse Philippa, l'As. Merci les amis, merci. Là, on a le 12 favori, là. Il faut égaler la cote du 12, là, où là j'ai le favori, j'ai le 12, et là j'ai le 4. On nous parle du 6, 9, 4, 5 dans les favoris, dans la cote du favori. Okay. Donc, 4 fois 5, 20. Il y a 20 partants. Hein. 4 fois 5, 20. Merde. Comment on fait 4 et 5 sinon? Faire 13h50 aussi. On fait 4, 5, 12. Ah oui, c'est ça, 4, 5, 12. 5 moins 4 est égal 1. 1 plus 12 égale 13. On a le 5, on a le 13. On met le favori le 4, puis on met le deuxième favori le 6. On met les favoris 4, 6, 12 alors. 4, 6, 12, 5. Ou alors, faut retrouver. Ouais, bah c'est ça. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6, 12 quoi. On va mettre ça. 12, 4, 5, 6. R2C5. Ah, c'est du plat, c'est quoi? C'est du plat, c'est 1400 mètres, c'est rapide. Vu les écarts qu'il y a entre les favoris puis les autres, moi je suis favorable aux 5, 6, 12. Hein. En 2 sur 4, simplement. 5, 6, 4, 12. En 2 sur 4, couplé placé, 5, 6, 4, 12, R2C5. Pourquoi pas? Bon, laissez-moi me chauffer, les gars. Après, on va arriver directement au PMU après. J'ai pas le temps vraiment de me chauffer là. Ah non, on a Fontainebleau après à 11 partants. On a du plat 1400 mètres, c'est très rapide. Après, on a des courses compliquées, vraiment lentes avec une longue distance.
On va arriver sur du steeple de l'Atelier à Vincennes, du steeple à Fontainebleau, du monté à Vincennes, c'est aussi compliqué qu'hier, quoi. Ah, ces journées-là, ça paye pas généralement. Dans les courses, n'importe quoi, ça paye pas normalement. Ces courses-là, c'est les favoris qu'on va voir. Les courses compliquées, comme ça, on va voir les favoris. Après, pour le quintet, je sais pas, mais... Ah, il y a encore la musique, là, non? Hein? Je peux pas partager sur les groupes, les gars, si vous pouvez, de votre côté. Je vais voir si je peux, mais ça m'étonnerait. Facebook me bloque tout le temps. C'est une ville en Belgique, c'est ça, maman? On peut prononcer Leuven. Leuven. En néerlandais, Leuven. Voilà. Indigo Winter, il s'agit du numéro 15, grosse rentrée. Absent depuis 126 jours, le mois d'octobre pour sa dernière course, 10e. Fonction de publication du statut n'est pas disponible, veuillez vérifier votre connexion. Avant de réessayer, bon, c'est mort, je peux pas partager sur les groupes, les gars. La princesse Charlène de Monaco, Bémaldi. Je me suis renseigné sur la Kazakh, 46 partants depuis qu'elle a sa Kazakh. Combien? 46 partants. Oh, c'est assez récent, du coup. 8 succès et 11 podiums. Et elle a uniquement des chevaux, la princesse Charlène de Monaco, chez Stuart Petitgroup. D'accord. Et c'est récent, 46 hein. Bah oui, j'ai essayé de remonter pour voir, mais... Parce que là, aujourd'hui, déjà, elle a deux. Alors qu'elle est repartie en Afrique du Sud, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, quand on... Regarde un peu ce qui se passe. Hein. Ouais. Vous ne suivez pas l'actualité des célébrités monégasques? Non, pas trop. Pas trop aussi. Je regardais s'il y avait d'autres tempérants. Non, il n'y a vraiment qu'un arsenal, en fait. Petit coup. Et pour Bella Rosa, cette jument, elle a gagné deux fois en 5R, mais ça remonte. Hein. Ça remonte. Et on l'a pas vu depuis la mi-octobre. On va rester sur les contre-performances. C'est un autre saga. Le 17, Constantia Hayes reste à 5 échecs. Je suis resté bloqué. Ah oui, je savais. Alors le 17, Constantia Hayes. Qui reste sur deux contre-performances. Ok, ouais. Full royalty, c'est le 18. Pareil, deux échecs, victoire sur ce parcours, c'était dans un Méden, mais n'a pas confirmé handicap. Ok, Evening Rise, le 19, beaucoup de métiers par contre. Oui, on revient sur Aval, sur ce parcours. Bon, on a pris un podium, mais la dernière sortie est pas très bonne. Et le 20 The Rose of Pitcher, ça paraît difficile, on reste sur trois échecs. Notre favori Halloween, le 12. Le 12 Halloween, sérieux, arrêté. Oui, j'espère que j'ai la bonne casaque parce que j'ai du noir et du rouge partout. Je vais voir rouge pour finir. J'espère trouver la gagnante, surtout. Ouais, bah, et qui sait qui pourrait venir un petit peu vous mettre un peu d'autres couleurs. Le 2. On a le 18. Full Royal. 2-12-4-6, 2-12-4-5. J'ai la même casaque pour le 3, le 6 et le 12. Pour le 3, le 6 et le 12, là. Vous êtes mort en rouge, là. 4 x 5, 20, il y a 20 partants. 4 x 5, 20. Il y a 12 et As qui font 4 aussi, alors. Ou alors, il y a... Normalement. Vous êtes plutôt échappé. 7 et 5, 12. Ouais, c'est peut-être ça. 7 et 5, 12. 7, 5, 4, 7, 5, 12, 7, 5, 4. C'est plutôt ça. 7, 5, 12, 7, 5, 4. Après, il faut égaler quand même le nombre de partants de la course d'avant, là. 7 et 5, 12, 2 et 1, 3. Comme il est sharp, 7, 5. Non, parce que la casaque, elle est toujours la même. Oui, et la top, on l'associe à la casaque. Bon, c'est parti. C'est parti, Emmanuel, pour cette... 7 et 4, 11, 1 et 1, 2.
le numéro 10. 7, 4, 5. C'est avec Goddess of Flight à l'extérieur, c'est la Casaque Rouge, épaulette blanche. 5. Aux avant-postes. Ah, 7, 4, 5. L'outsider, le numéro 20, qui vient en deuxième position. 7, 4, 5, 12. C'est possible celui-là, 7, 4, 5, 12. Merde, je me suis gouré. Pour le numéro 5, Golden Aspen, qui vient complètement à l'extérieur. On note ensuite le numéro 3, Belle of Belize, qui est dans l'ensemble. Le peloton pour l'instant avec le numéro 12 également, Halloween, qui va tenter de se rapprocher et qui vient pour l'instant à l'extérieur. Le peloton au centre, conduit par le numéro 20, The Rose of Pichar, Goddess of Light, qui est là en deuxième position. Nous avons ensuite le numéro 19, Evening Rise, qui est pour l'instant troisième, c'est la top bleue. Et puis le numéro 15, Indigo Winter, qui tente de progresser maintenant et qui vient en deux troisième position. On accélère avec Goddess of Light à l'extérieur, avec le numéro 15, Indigo Winter, qui tente de venir, ainsi que le numéro 8, Dance Lesson maintenant, et le numéro 20, qui attaque The Road of Bichar. The Road of Bichar et le numéro 3 pour sa rentrée, Belle of Belize maintenant, qui accélère. Belle of Belize, le 3, face à Watteone, Dance Lesson et The Road of Bichar. 8, 8, 7, 8, 7, 3, 20, putain de merde. J'étais trop bas là. 7 qu'on avait chiffré de cette cinquième course à Val. Et ouais, rentrée gagnante pour ce numéro 3. Vous l'aviez repéré que ça te rouge, hein, pas de souci pour finir. C'est ma première, mais c'est chiant d'en louper une, quoi. 3, 8, 7 et 20 pour l'arrivée. Ouais, bah là, c'est dur. Hein. Très, très dur. Hein. Objectivement. Non, mais Belle of Belize, dans ce rating, elle n'avait pas montré qu'elle pouvait gagner. On l'avait parlé depuis octobre. Il fallait reprendre Dance Lesson, par contre, qui l'autre jour c'était dans un terrain souple. Elle a des bonnes performances uniquement en bon terrain. C'est un outsider intéressant. Fait chier, putain. Cette Waterhoney avait déçu en l'étant rallongée. Bon, bah là, ça l'a pas empêché quand même de prendre un podium. Elle s'est rachetée. Puis la surprise, hein, de 20, The Rose of Witcher. Qui est resté sur une dixième place depuis de 8 longueurs. Il y a eu quand même des surprises en ce moment. Pas de Goddess of Light hein, qui découvre la distance, le numéro 4, Cassidy. Hassan, 9-8-5-4. Ah, c'est hard hein, pour commencer là. 20 partants, c'est hard pour commencer le live. Hein. Je regarde la Kazakh princière qui vient finir à l'extérieur, là, c'est la top rouge. Il vaut le coup celui-là, il est bien payé, mais. Je regardais un autre retour. Est-ce que vous voyez là, le 6 qu'on voit gros. Le 5 qui finit 5ème. 7-5 ça finit 5ème. C'est boutique là. Pour revenir à la conversation juste avant le départ. Regardez Bella Rosa à l'extérieur, c'est pas mal. Ah bah écoutez, notez ça sur votre tablette pour la prochaine réunion de Val. Regardez. As 12, 5, 5e, 6e, 7e. As 12, 5. À bientôt. Merci à vous. À très vite, bien sûr. Oui, putain de merde. Merci à Sébastien de nous avoir accompagné en ce début de journée pour les commentaires de Val, la page de pub, pour prendre la lumière, on se fait sourcil. Je sais pas si vous voulez moi. Il va sortir de ton box et partir à l'échauffement. Ça va aller. Mmh. Tu sais que tu ne dois pas trop te monter en pression. Face à toi, trois adversaires en forme. Ça va aller. Les restes seront ferrés. Pas toi. Le favori va prendre la tête. Laisse-le faire. Ça va aller. Ils ne vont pas comprendre quand tu vas enclencher. 13. Tu vas t'allonger pour finir et venir tous les ramasser pour t'imposer. Ça va aller. On va laisser passer la pub. Allez, 13h25, là, fallait qu'on trouve combien, là 13h, 13h, je crois, je sais plus combien fallait qu'on trouve, là. 13h05, non, je sais plus combien. 13h, 13h05, 13h. Fallait qu'on trouve 13h, là. Il y a l'As 3 qui fait 13h, il y a 20-7 qui fait 13, putain de merde. Non, c'était 13h05 qu'il fallait trouver. Merde de merde. 20-7 égale 13, ou à 13h05. Putain de merde. Il y a l'As 3 qui fait 13 encore. Et 8 moins 3 qui font 5. Ah putain, on l'avait pas celui-là. À 20 partants, c'est compliqué. Hein. Je te
Quand je te dis que toutes les courses ne sont pas bonnes à jouer, celui-là, 20 partants, tu vois, les courses comme ça, peut-être qu'il y a des bons lots à prendre, mais pff, la plupart du temps, ils bouffent le fric, hein. Salut Yaya, Red One, As de 12. As de 11, pardon, As de 11. Fontainebleau, 3550 mètres. Des haies. C'est compliqué, des haies encore. Tu sais, c'est des courses compliquées aujourd'hui. Moi, je crois que je vais faire le quintet, puis je vais laisser tomber parce que c'est trop compliqué là. Chaque fois, je me vautre. Ces journées-là, je me vautre. C'est des haies, c'est du steeple. T'es là, t'es sur la balançoire, tu sais pas quoi jouer, déjà de base. C'est dur, il est presque l'heure au Sénégal, le pion de vente, c'est loin. Ah, c'est pour ça que tu veux le prono, non? Tu veux quoi, Abdoulaye, le prono, non? Ouais, mais je peux pas là tout de suite. On va attendre celle-là. Et moi, je suis pas à te faire jouer comme ça. Hein. Tu joues si tu veux, moi je te dis rien. Moi, je te dis que les journées sont compliquées aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour les courses. Alors, insiste pas pour jouer ton pari parce que déjà, ça va être mauvais, ça va pas être bon. Hein. La journée déjà est compliquée au niveau des courses. Si tu insistes de ton côté aussi. Ça fera pas grand chose. Hein. Déjà, les Vincennes, là, faudra me montrer des tickets gagnants parce que là, aujourd'hui, vu les courses que c'est, j'y crois pas à Vincennes aujourd'hui. On verra, on va essayer de déchiffrer, mais je suis pas pressé d'essayer de déchiffrer hein, parce que ça a l'air de compliqué. Les courses comme ça, en haie, en montée, en steeple, à Fontainebleau, tout ça, à Val et tout. À 20 partants, ces journées-là, généralement, c'est un peu compliqué, quoi. Salut Simo. Là, on va à Fontainebleau, là, 3550 mètres, 11 partants. Il faut qu'on égale l'As, la course d'avant, 5e, le 4e, le 20, le 3e, le 7, le 8, le 3. Il faut égaler As, 20, 7, 8, 3, et il faut égaler 13h25. Et il faut égaler aussi 3 fois le nombre de partants. Et aussi, il faut avoir la valeur de 2,5, la note du favori. C'était quoi la note du favori tout à l'heure? Aval, là. Là, après l'arrivée, la valeur du favori, c'est 5,7. Le 12, on a déjà le 7. Le 5, on a 8 moins 3. Ça marche la valeur du favori aussi, les gars. Mais faut la déchiffrer, quoi. T'as 50 calculs qui peuvent te donner 3 ou 4 ou 5. Donc il faut trouver le bon, quoi. Là, on saute des haies, là. À Fontainebleau. Il y a 11 partants, 13h25. Je t'avais dit de reprendre la course d'avant, là, 2 As, 4, 5, 6, mais non, ça m'a même pas fait. Il y a l'As qui est 5e, ouais. Non. 1, 2, 3, 4, c'était pas assez suffisant parce que là, c'est 5e, donc en 2 sur 4, 1, 2, 3, 4, ça le faisait pas. Bon. R3, C4, c'est quoi? C'est les chevaux que. Je suis pas motivé, les gars, ce matin. Vu la journée compliquée qu'il y a déjà à vivre, il y a 3550 mètres, 11 partants, piste en herbe. Ah, piste en herbe, c'est intéressant ça. On aime bien faire des suites de chiffres en piste en herbe. Tu vois, Fontainebleau, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, R3, C3. On a 5, 6, 7, 8, là, 3, 4, 5, 6, 7, 8. R3, C2. R3, C1, on a 1, 2, 3, 4, 5 encore. Oui, avec 5 partants, là 7 partants et 9 partants. Là, on a 11 partants. On a 11 partants, R3, C4. Il faut qu'on retrouve ce que je me répète.
Il faut qu'on retrouve l'As, le 7, le 8, le 3, le 20. De foudre, je pense que les deux foudres écrivent Macalagnette, ils sont durs à juger. On est en hiver, on a bien pioché quand même un numéro vers la fin. Ou là, il y a 11 partants, genre 10, 11, un truc comme ça, mais... C'est quoi, les gars, vous avez un prono, là? 10, 11 partants, mon ami. Salut, Samuel. Ah, ça va être compliqué, c'est une course un petit peu compliquée là. La course d'avant, on a 3, 8, 7, 20 As à faire. 3, 8, 7, 20 As. On a 2,4 la cote du favori. On a 11 partants 3 fois à faire. Et on part à 13h25. Il faut égaler As 3, 2, 5. R3, C4. J'ai pas la tête à calculer aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Petit honneur qui gagnait a ensuite répété à Compiègne, mais peut faire une très belle carrière entre manches. Particulière Dream qui terminait deuxième a ensuite enlevé la grande course du Haie de l'Ouest. Keep Running qui terminait troisième et ensuite placé du prix d'Aix sur les programmes de Compiègne, donc pour sa condition. Et puis le quatrième, Singapour, c'est également a fait un bel hiver, il a participé au prix Congrès, c'est placé troisième prix Roger de Mainvielle, bref. Il a beaucoup tiré ensuite à Pau sur Live, en tout cas il a moins bien couru. Il y a 3550 mètres, les gars. Il va sûrement y avoir des chevaux qui vont s'arrêter. R3, C4, je serais curieux avec 3-4. R3-4, c'est un peu placé, R3-C4, je serais curieux. Il y a pas mal de choses qui n'ont pas trop de métier, donc nous ferons également attention à se retrouver avec des enfants expérimentés. Alors je note quand même que pour Sir Light, il a terminé 8e à Pau. 3-4-10, 3-4-10 As, c'est possible, 3-4-10 As. Il a gagné hier à Angers à réclamer, pour le même entraînement et la même propriété. 3-4-10. 3-4-10. Dans les courses à condition. J'entends par là, et mon propos veut dire que ce Sir Light est peut-être plus estimé que le Garde Avant. 13h25 à faire. 3-4, 4-3. On a l'As, on a le 3. 4-3 As. 3-1, ça fait 2. On a le 2. 4-1, ça fait 5. 3-4 As. On a 13h25, 3-4 As. On a 2,5, la cote du favori. Ouais, il faut égaler 11. 3 x 4, 12, moins 1, ça fait 11. Concernant celui-ci, son jockey Florentin disait des choses intéressantes, à savoir que le plus loin. Après, il faut s'attendre à des gamelles, c'est ça qui est chiant. On serait prêt à mettre 3-4-5. Je me gourre tout le temps ces courses-là, c'est 3-4-5 As ou 1-2-3-4. 1-2-3-5. 3-4-5 As. On a la course de tout à l'heure à Fontainebleau. 2-As-5-4. Hein. On recommence à Fontainebleau comme ça encore? On a bien 2-5 ce matin à Fontainebleau. 2-5-As-3 ou 2-5-3-4. 2-5-As-4 ou 2-5-As-3 à Fontainebleau. Je te dis, c'est ça le problème. On va remettre la même. On est à 13h25 à faire. Pourquoi pas 5-2 As, hein. 5-2, 3 As. On tente. Après, il faut égaler. On va essayer de confirmer avec 11 partants. 3 x 2, 6, c'est 5, 11. 5 x 2, 10, et l'As, 11. 3 et 1, 4, 5 et 4, 9 et 2, 11. C'est pas mal, hein. 3, 5, 2 As. Après, il faut s'attendre à des chutes et tout. Ça va être chiant. Pourquoi pas 3-5-2 As en 2 sur 4, je pense que ça devrait être bon. Ce qui me fait peur, c'est R3-C4. Mettre le 3 ou le 4, c'est un peu placé, ça, non? Ça serait sympa. Ça serait plus sûr. Le 3-5-2 As, c'est un peu chiant, mais c'est un peu placé. 3-4, ça serait un peu plus sûr. Abdoullah, il y a un C1, 16-10, et derrière 13-14, As-9-7-3. 16-10, et derrière 13-14, As-9-7-3 pour ton quintet.
Et mon ami 10-11 en R3-C4. Salut Samuel. Salut Timo. Salut les amis. Généralement, j'aime bien regarder à 3 minutes du départ ce qui ressort comme numéro dans les cotations. Là, on a beaucoup de As-2, As-2-3, mais on est à 2 minutes 30. Hein. J'aurais dû regarder à 3 minutes pile. On a beaucoup d'As-2-3 là. As-2-3-6-9. C'est possible celui-là aussi. Hein. C'est une course compliquée. Hein. Généralement, 9-As-2-3, ça arrive, ça aime bien se retrouver. 9-6-2-3, 9-As-2-3, ça aime bien se retrouver. Ouais, je tente la même que tout à l'heure. C'est une longue distance, pourquoi pas se retrouver dans les petits chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. 3-2-5, j'ai mis 3-4. Hein. Je suis préférable, plus 3-4, R3-C4, en simple placé. Le 3, il est à 13 euros, pourquoi pas nous porter la chance. Le 10 aussi, il est à 13 euros. Bon. Le 5, il est à 12, mais bon. Bon, bah, on verra. Là, 3-5, 3-5 As, 10, 3-5 As. Hein. C'est possible aussi, 10, 3-5 As, c'est des arrivées, ça. Hein. C'est des combinaisons qui arrivent. Hein. 10, 3-5 As, 9 As, 2-3, c'est des combinaisons qui arrivent. Hein. 2-3-4-5, c'est des combinaisons qui arrivent. Hein. À 7-4 en 2 sur 4 ou 8-3, non, il n'y a pas de 8. À 7-4 en 2 sur 4, c'est possible aussi. À 7-4 en 2 sur 4, on oublie peut-être le 7. Le 7, il vient d'arriver de la course d'avant. Ce qui me faisait chier, c'est le mettre avec pour faire 13h50. Et à 7-4, 7-4 égale 3, plus là, ça fait 13. 4 et 1, 5, tu vois. On a 13h05. Ah non, c'est quoi 13h. C'est combien à faire 13h25. Ouais. On fait 7 moins 4 égale 3. Avec l'autre, là, ça fait 13h. Et 25, comment on ferait ça? 4 et 1, 5, déjà on a le 5. Et 7 moins 5 égale 2. 13h25. As 7-4 en 2 sur 4. C'est préférable. As 7-4 en 2 sur 4. C'est même la plus sûre. Après, c'est R3-C4. Moi, je serais préférable entre 3 et 4 simple passé. Bon, les gars, faut que je me chauffe. Hein. Vous entendez le son derrière? Les chevaux? Les encaissés d'Auteuil hein, qui sont tombés d'ailleurs pour lundi prochain, pour la rentrée d'Auteuil. François Nicole y a notamment engagé le vainqueur du Grand Prix de Pau à Pimonarque dans le prix Robert de Clermont-Tonnerre. À 7-4-5, ça arrive. À 7-4-5, ça arrive souvent. Je vais vous le mettre quand même. On va attendre d'en reparler, bien sûr. Vous avez certainement entendu hier le lancement des grands Steeple Chase Masters. Faut que je me rôde, les gars. Ah, le 2, là, s'il a l'air pas mal, hein, puis mettre tout derrière. R2C5, on n'a rien du coup. Bordeaux. 5, 6, 4, 12, il n'y a rien du tout. Je crois que 5, 6, 4, 12 sont juste derrière, mais ils ne font pas les 5 premières places. Le 12 est 6e, le 4 est 8e, le 5 13e et le 6 15e. Bon, il n'y a rien du tout, quoi. Parti pour cette quatrième épreuve, le prix général Marion. C'est une course de V pour les 4 ans. Sans le numéro 8, Paris Jour, qui a été déclaré non partant. On est à Vincennes après. À son intérieur, deux inédits, Great. On va prendre l'ardoise, on va calculer l'arrivée par rapport à,
à l'arrivée aussi d'hier, lors de départ 13h50. On va calculer aussi par rapport à la valeur de la plus petite cote. On va calculer avec le nombre de partants aussi. Hier, on avait quoi à l'arrivée? 3-2 à 6-16. Entre le numéro 7 Business Peak et le numéro 3 Great Feeling, qui est ainsi le prix de l'agent, se rééquilibre et positionne Business Peak au commandement. Le Charenté est en deuxième position l'ensemble, avec le numéro 5 Shadow qui est troisième devant Padam, quatrième pour Vincent Leroy. On retrouve en cinquième position Great Feeling, ensuite un peloton qui reste assez groupé, qui ne se passe pas pour le moment. Au cœur de ce peloton, Cambo, à la corde le numéro 9 Bourbon Dream, avec Sirlight et Full Jackpot. À plus en longueur du numéro 6, c'est un seul Eclipse qui est désormais en retrait. C'est bien ce que fait l'animateur là, Business League, un seul parcouru en plat, mais pourtant on ne se met pas trop dans le lit. Et le contraste est en retrait aux avant-postes, avec Beaucharenté qui développe dans son dos. Pour retrouver en troisième position à son extérieur, Moonrise, Shadow, Cambo est quatrième, avec en devant le numéro 10, Padam. Derrière Padam, il y a Bourbon Dream, un charioteur, Great Feeling, qui a quelque peu reculé désormais. Avec Super Top dans son dos et sur Light à leur extérieur. Tout va bien pour ce numéro 7, Business Peak, pour une tour de peloton. En deuxième position, l'élégant Beaucharenté, il y a un signal de puissance côté corps, à son extérieur, le Moonrise Shadow, qui a pour le moment de bon début en obstacle. Sans doute, c'est dans son ciel, les deux pensionnaires de Super Dolores qui se suivent à leur corps, par les côtés corps, les maintenants. Reste ensemble avec ensuite le numéro 3, c'est Great Feeling. En dehors, Sir Light, à la corde, Bourbon Dream, pour un prix de pote, et enfin le système de l'Eclipse. On revient devant les tribunes, pas de faute à signaler, mais à rapprocher tout de même que de Sir Light et Romain Fio, qui progresse en épaisseur. Alors le quintet d'hier, on a quoi? 3-2 As, 6-16. Dans le numéro 5, Moonrise Shadow. Pour retrouver Falan, Cambo et Sir Light à la même hauteur, ensuite sur une troisième ligne. Alors, sillage pour Bandrim, Great Feeling et Full Jackpot, Kazakh Projet Blanc, Jean Redu. Aujourd'hui, on part à 13h50, comme hier. On va prendre en compte. On va prendre en compte le nombre de partants aujourd'hui. Beaucharenté qui se tient tout près à 3 quarts de longueur. Il y a 16 partants. Devant Moonrise, Shadow, Padam, Cambo, Sir Light qui progressent un peu toujours à l'intérieur des autres. Great Feeling et Bourbon Dream, c'est devenu compliqué pour le numéro 4, Full Jackpot qui est arrivé rang. Et derrière, on attend l'arrivée là. On attend l'arrivée aussi, puis la cote du favori en live pour le quintet. En deuxième position et dans son dos, Moonrise Shadow qui va bien également. Beaucharenté qui repasse à l'heure extérieure et qui se rapproche encore devant Cambo, qui pour le moment trace un joli parcours. Franchir cette nouvelle et légère faute de Business Peak. Great Feeling également un petit peu accusé. Il y a des belles cotes au quintet, mais attention. J'ai 2,7 la cote du favori, mais on verra, on va attendre. Avec ce représentant de l'écurie de l'Orient, l'Eclipse Racing, dans son sillage, il y a Beaucharenté avec Moonrise Shadow, avec Cambo, qui suit tout près, avec Sir Light, qui se rapproche un peu, toujours à la hauteur de Palan, de Bourbon Dream, devant Great Feeling et Full Jackpot. L'entrée de la ligne droite bientôt. Le numéro 7 à 3 obstacles de la fin, Business Peak à l'avantage. Beaucharenté qui vient dans son dos deuxième, Moonrise Shadow et Cambo, les deux de S maintenant, et qui s'annonce et qui viennent avec pas mal d'action d'ailleurs, près des premiers. Palan est un peu plus loin avec Sir Light et Bourbon Dream. L'avant-dernière est Beaucharenté qui vient mettre la pression sur le numéro 7 Business Peak à l'avant-dernière. Mais en dehors se relance Moonrise Shadow Cambo également qui vient avec une cassure ensuite pour retrouver Sir Light. Direction la dernière, Beaucharenté, Business Peak, Moonrise Shadow Cambo, les 4 à la lutte maintenant pour franchir la dernière eux. Les deux viennent très fort dehors avec Beaucharenté qui a l'avantage. Faute de Moonrise Shadow, faute également limite, hein. De Business Peak, Cambo accélère bien en dehors et Beaucharenté à l'avantage avant les deux de Hez qui courent de première ici, notamment Cambo qui se relance encore sur le plat. Victoire pour Beaucharenté, Kazakh Jolie Sébastien. On avait la 5-2, ah 5-2-9. Notre trio avec l'an premier. Pourquoi j'ai rajouté un truc hein? Exactement, ce qui donne As, 2, 5, 9 et 11. Victoire, elle est pour l'As. Beaucharenté qui rentrait. Il n'y a pas de 3-4, ça peut passer. J'étais pourtant confiant là-dessus. Le 2 sur 4, j'étais plus favorable à 7-4-5. Mais on a un 2 sur 4, mais à 5. Mais on a 5 As, 2, 3 là. Putain, il va être sympa ce trio là. 5 As, 2 là. As 2, 5, 9, 11. On va prendre l'arrivée qui vient de se faire, As 2, 5, 9, 11 pour faire nos calculs.
Et on va prendre à 2, 5, 9, 11 la cote d'arrivée qui vient de se faire. Et on fait. On a un trio là, super. On a un 2 sur 4 en bas, on a un trio. Il n'y a pas de 3, 4 simples passés, je confirmais là-dessus, mais non, rien du tout. Il y a bien 10 et 11, mais un peu loin. 5e, 6e, il y a 6 ou 9 qu'on voit partout. Il y avait le 9. Il y avait 9 as 2, 3 que je te parlais, qui arrivait souvent aussi. Ah putain, il fait le 9 as 2, 3, ça fait le. Ça fait 4 numéros, ça. Ah putain, c'était pas mal à jouer celui-là. Ah non, il y avait le 5, merde. 9, 5 as 2. J'étais plus 7, 5 as. Ouais, enfin bref. On est bon là. Le 7, il a décroché quoi. Partagez les gars si vous voulez sur les groupes et tout. J'ai pas les moyens, Facebook me bloque de partout. Merci les amis. Alors, on va attendre la valeur du favori là. Faire nos calculs. 13h50, qu'est-ce qu'il nous faire 13h50? Il faut qu'on égale. Il faut retrouver l'arrivée d'hier. Il faut retrouver l'arrivée qui vient de se faire, de la course d'avant, à Fontainebleau. Il faut retrouver l'arrivée d'hier au Quintet. Il faut retrouver 13h50. Il faut trouver 16 partants. Il faut trouver aussi la valeur du favori là. Moi j'ai 2,8 mais je préfère attendre l'écran là. Ouais, il y a 2,9. Voilà. Avec tout ça, on devrait peut-être déchiffrer puis se trouver une combinaison sympa. 13h50, il faut prendre en compte que c'est 2850 mètres. Pour de l'attelé, c'est pas. Ça fait long. Pour de l'attelé, c'est long. 2850 mètres. C'est des vieux chevaux comme hier, enfin un peu plus jeunes. 9, 8, 7 ans là. Non, hier ils avaient quel âge, je sais plus. 5, 6, 7 ans, non, je sais plus quoi. Là, c'est des vieux chevaux aussi là. 9, 8, 7 là. Quand c'est des vieux chevaux comme ça, c'est quoi vos numéros, vous? Putain de merde, il fait un temps nuageux, 13h50, on est le 22.02. Bon, attends, je vais m'écarter un peu de tout ça, je vais essayer d'avoir des chiffres pour faire 13h50. Hassan, 5, 9, 10, Hassan. Merci les amis, merci, merci. Merci les amis, c'est gentil, merci. Alors, le quintet R1C1, pourquoi pas une cote à 11 euros, genre là sous le 3. Oh putain, on va pas retaper le 3 pendant 3 jours là. Une cote à 11 euros, l'as le 3 ou le 7 qui peut monter à 11 euros, le 8. R1C1. R1C1, ça fait 11, tu vois ce que je veux dire. 1 et 1, ça fait 11. On peut se taper l'as, on peut se taper le 3. En tête, le 7, le 8, c'est quoi? Ou alors on prend le favori. Ou alors on prend derrière le 16 ou 14, en tête. Ouais, enfin bon, bref. Ou alors, ça ne va pas nous donner grand-chose. Il faut égaler la course d'avant, 16, 6, As, 3, 2. Ah non, c'est hier ça. 16, 6, As, 3, 2. Et on reprend le 16. On fait un calcul avec le 16. On reprend le 16 d'hier. Mais attends. 13h50, ouais, ça fait 6 moins 1, ça fait 5. On aurait le 5 déjà avec le 16. Le 16, on peut se le retrouver. 13h50, le 5, on peut se le retrouver en 16. Ou en 14. Le 5, 13h50, le 5, on peut se retrouver en 16, en 14. En 5, là, il est un peu lourd. Le 5 à 82, mais bon, bref. Le 5, sinon... on se retrouve comment sinon 13h50 le 5
Et le 13, As-3, As-3. L'As, on peut se retrouver en As. On peut se retrouver en 12, 2 moins 1. Le 12 n'est pas là, bon. L'As, le 3, on peut se retrouver en 14. Le 3, on peut se retrouver en... Avec le 10, le favori, plus le 10, 5 As-3, plus le favori, le 10, pour retrouver le 5 plus 10, ça fait 15, 5 et 1, 6, donc il nous faudrait l'As, le 10 plus l'As, ça fait 11, pour retrouver 16, il faudrait qu'on retrouve 5, on fait le 14, ou on fait quoi, le 16, et le 3 plus 10, ça fait 13, pour retrouver 16 partants, ça fait 3, ça fait 14 encore, ou 3. Et 10 plus 5, pour retrouver 13 en 50, 10 plus 5, 5 moins 1, 4, on reprendrait l'As. Ou alors 10 plus 5, moins 2. Ça fait, on prendrait le 2 ou le 11, ou le 13, pour faire 2. Après, l'As pour faire 13h50 avec l'As, on a l'As, le 3, et le 14 ou le 5, ou le 16, qui font 5. Le 3, pour faire 13h50, on a le 3, exact, on a le 3, 2, 3 moins 2 égale 1, fait 13h50, et 3 et 2, 5, faire 5, le 5. Ou alors le 2, le 5, on se fait en 14 et en 13. Ah putain de merde. Ça a été une arrivée qui va déglinguer ça. C'est des vieux chevaux, ok, mais après par rapport à hier, qu'est-ce qu'on a avec ces numéros-là là? On retrouve ces numéros-là là. Par rapport à hier, et pour retrouver As-2, 5, 9, 11, et 3-2, As, 6, 16, le quintet d'hier. Effectivement, on a le 16 du quintet d'hier, on a le 16, qui est intéressant. On le retrouve aussi aujourd'hui. Le 6, comment on reprendrait 6 16 moins 1, ça a 16 moins 1. Tu vois, ça fait 6, 16, t'enlèves le 1, donc 16 As. On a le quintet d'hier, 16 As. 3-2, ben on a 3-2 encore d'hier aussi, 16 As, 3-2. Attends, c'est pas ça que je voulais dire. 16 As, ça fait... 5, attends, 16 As, 3, 2, comme hier. On retrouve ces numéros-là encore aujourd'hui dans nos recherches. 16 As, 3, 2. Ou alors 16 As, 14... 16 As, 14, 13. 16 As, 14, 2. 16 As, 14, 13. 14, 13. 16 As, 14, 13, 2. Ou alors, sinon, on a, pour les numéros qui viennent de tomber, As-2, 5, 9, 11, qui viennent de tomber, là, l'arrivée qui vient de tomber à Fontainebleau, comment on retrouve As-2, 5, 9, 11? Le 11, on peut se retrouver en 13 moins 2, ou en 10 plus 1, ou alors en... avec les numéros que j'ai là, comment je retrouve 11 avec les numéros que j'ai là, 14 moins 3. Ou 16 moins 5. Fait chier, ce 5 il me fait chier. Après, comment je retrouve 9? Le 9, il a combien? 30 euros là? On fait 10 moins 1. Ou alors on prend le 9. Et comment on retrouve 5? On retrouve 5 avec le 5, ou 5 en 14 ou 16. Voilà, on retrouve As-2. As-2, ben en As-2. As-2 ou... As-2 ou alors... Bon, qu'est-ce qu'on a là avec ça là? Comme combinaison là. On va regarder un petit peu les chevaux, ce que c'est. Et voilà, deux muses, le 14. Il est marrant, celui-là, avec des noms bizarres comme ça, c'est marrant.
4 et 1, 5 pour faire 16, 4 moins 1, 3 pour faire 16, 14, 13 ou 14, 14, 16 ou 14, 13. Il y a For You Madrid qui est marrant. Ou alors le 13, on se fait en 10 plus 3. Le 3, il vaut combien là? Falco d'Avaroche, il est marrant le 3 aussi. Falco d'Avaroche. Ça va être compliqué aujourd'hui, les gars. Moi, je serais favorable pour jouer. C'est un quintet favorable à jouer 10, 3, 4, 13, 14 en 2 sur 4 ou je sais pas. Après, le 13, il paraît un peu riche, mais bon, c'est une longue distance. C'est 16 partants. Il faut faire 13h50, les gars. Il faut faire 13h50, les gars. Epson d'après le 10 à 2,7 contre 1. On n'a pas de 2 ni de 7 là. On a le 2. Le 8. Ah, il peut tomber le 2 à 27 euros gagnant. Hein. C'est possible ça? C'est possible. Iras William le 2 avec Dojar. Philippe Dojar. Toujours prêt à gagner des gros quintés lui. Non Falco d'Avaroche le 3. Diego Ducanter, l'As, 1, 2, 3. C'est des vieux choux, là. Il faut égaler As 2, 5, 9 de la course d'avant, 13h50. 13h50, on va faire vulgairement As 3. Donc on reprend 2 derrière, il faut retrouver 3. On reprend As 2, As 3, pardon, on va prendre As 3. On a As 3 d'hier, As 3. On prend As-3 d'hier, on a l'As de la course d'avant, on a As-3 qui fait 13h50, As-3, fait chier ce 5 là, c'est qui ce 5 là? Flyer of Magalou, Christopher Corbino, il est cher, hein, il est cher payé. Hein. 3 moins 1 ça fait 2, As-3 10, As-3 quoi? Il est compliqué celui-là, les gars. As-3 pour faire 5, 13h50. On a As-3. 3 et 1, 4. 10 et 14, ça fait 4 et 1, 5. As-3, 10. As-3, 10, c'est pas mal, ça. As-3, 10. As-3, 10, ça fait 3 et 1, 4, ça fait plus le 10, ça, il nous manque 2. Ou alors il nous manque 3 moins 1, 2, plus 10, ça fait 12. 2 et 1, 3. On prendrait le 13 ou on prendrait le 2 ou le 13. As-3, 10, 2, As-3, 10, 13. Parce que là, c'est des vieux chevaux, il faut mettre un peu de piment là, entre le 2 et le 13. As-3, 10, 2, As-3, 10, 13, As-3, 13, 14, As-3, 13, As-3, As-3, 10, As-3, 10, 2. On reprend As-3, 2 d'hier. As-3, 10, As-3, 10, 2. C'est quoi le 2, Eras William? Ou alors le 2, on se le fait en forme de Foyot Madruc, le 13. Si on prend As-3, 2, c'est les plus petites. Vu la distance que c'est, on peut choper une 13, 13 euros, non? Ouf. As-3, 10, 2, 13. As-3, 10, 2, 13. Fait chier de pas mettre 7, 8, 9, 10. Flamme vive, le 7, Eddy Pomereux, Dandy Gaudrey, le... Ah, attends, As-7, avec As-7-4 les gars, As-7-4, salut mon ami, salut Bilalila. Ben, je viens d'avoir un flash sur le 10, j'aime bien le 10. As-5-9-10, Bilalila Salam, salut mon ami. As-7-4-10, 10-As-7-4, j'aime bien le 10, hein, mon ami, j'aime bien le 10.
13h50, 10 à 7, 4. 10 à 7, 4, quoi? dix à sept quatre seize. J'ai envie de reprendre le 16 d'hier. Tu peux voir ce que ça fait, ça? J'aime bien le 10, les gars, puis tout derrière, peut-être. C'est une longue distance, c'est des vieux chevaux, mais bon. Je crois que je... Je crois que j'ai pas mal, je suis pas mal là. Il faut compter sur le 10 là. Là je sais pour A7-4 en 2 sur 4, 10 à 7-4. 10 à 16, 10 à 16, 10 à 16, 10 à 16, 4, 7, 10 à 16, 4, 14. Oh, l'as, je sais pas si c'est tout ou rien avec l'as, ça va être chiant. Avec le 10, pardon, c'est tout ou rien, c'est chiant. Vous voyez, voyez l'esprit, les gars, avec 10 à 7, 4 là. Ça marche, ça? Ça marche pas assez? 10 à 7, 4, 16, 10 à 7, 4, 14, 10 à 16, 4, 7, 10 à 16, 4, 14. Bilalila, 10, 13, 3, 8, 14, 9. Je sais pour l'esprit, hein, c'est pour... Attends, je vais mettre le son quand même. C'est une longue distance, hein. Donc, les deux sont 14, 13h50, 14 moins 1, ça fait 13. As plus 4, ça fait 5. 13h50. 14 moins 1, ça fait 13. 14 As 4, 10, on compte en favori ou pas? 13h50. Si on a 14 As 4, 10. Ouais, ils sont partis. Pour le quintet avec un très bon départ pour Flambi qui a fait un excellent départ donc à l'extérieur et qui vient avec le temps avec également au centre qui est bien parti le numéro 6 Enzo River qui va d'ailleurs aller chercher la corde Fragonard Vélo qui n'est pas loin et puis également au centre le numéro 9 Antique Godrin. Hassan 10-16-6 As-7-15. Avec à sa gauche côté corde d'Andy Godrel. Alors qu'Edouard Muse a déjà effacé ses 25 mètres et vient maintenant à l'extérieur. Là, il s'en rapproche très vite. Edouard Muse va tenter de se placer à l'avant du peloton alors que les concurrents sortent du premier tournant. Flamme qui va passer en tête maintenant et qui vient maintenant partir en commandement avec Fragonard Vélo qui est également tout près à l'extérieur. Edouard Muse qui est venu se placer également dans le groupe de 16, 6, 4, 14, 15. Bah, je suis pas en avance pour donner mon pronom. Le numéro 8 est Didier Pomereux alors que deux des principaux favoris. Epsom Derfray et Fairplay d'Urzy sont toujours dans le dernier tiers du peloton. Epsom Derfray qui est en train de faire la jonction avec Diego Dupanter, le numéro 1 qui se trouve à mi-peloton, un peloton emmené pour aborder la descente par Evo Lannemuse, avec très bien placé Fragonard Vélo qui précède Enzo River, Flambeau conduit le wagon de 2 et Epsom Derfray enclenche, on est sur le pied de 14, mais on va sûrement accélérer nettement dans la descente. Evo Lannemuse en tête, Epsom Derfray qui se rapproche, Flambeau qui est tout près, Didier Pomereux qui est en quatrième position, Enzo River qui est également en contact, alors que Fairplay d'Urzy temporise quant à lui à l'arrière du peloton. Une 7 actuellement.
ou 6 même pour Epsom Derfray qui est en train de se rapprocher très vite des premiers pour emmener ce peloton par Évoile Adimus devant Flamville, Fragonard de l'eau et Didu Pomereux devant Enzo River et donc Epsom Derfray qui a réalisé un très bel effort en descendant. Epsom Derfray qui va rejoindre Évoile Adimus alors que Nabur est toujours assez soutenu en tête sur le pied de Gundis pour Évoile Adimus mais qui est bientôt relayé par Epsom Derfray qui va pouvoir se rabattre en tête. Le favori Epsom Derfray qui va passer en tête et relayé Évoile Adimus suivi par Flamville, par Didu Pomereux devant Fragonard de l'eau et Rasmus Williams qui est également devant également le numéro 3 Falco de la Roche qui patiente sur une quatrième ligne Carpe d'Urzi. Ça met le trac, hein, ça met le trac. Hein. Il attend toujours dans le dernier tiers dans le sillage de Diego Ducanter. Epsom Derfray qui a été le plus rapide dans la descente sur lequel une 7-1 à l'avantage pour bien. On flippe comme des lopettes. Là un dos de choix, Flamville est très bien placé à la corde, alors qu'Edil Colbo se retrouve en épaisseur avec dans son dos et Rasmus Williams. C'est une grande distance, hein. Qui va pouvoir profiter de son sillage. Epsom Derfray, voilà juste toujours deux des favoris en tête avec Edil Dupombreux qui est là, Falco Davaroche qui s'annonce avec également Ferpé d'Urzy et For You Madrid qui a pris leur sillage. Falco Davaroche qui vient fort à l'extérieur, suivi par Ferpé d'Urzy et For You Madrid qui essaye de sauter dans ce wagon de la troisième épaisseur, mais devant, c'est toujours Epsom Derfray qui a l'avantage, qui va être sous la menace maintenant de Falco Davaroche qui vient très fort à l'intersection. Falco Davaroche qui place son attaque, Ferpé d'Urzy qui s'annonce également, Edil Dupombreux qui tente de rester au contact, Epsom Derfray qui va tenter de contrer, voilà Muse qui attend un peu l'ouverture, Erasme Williams et For You Madrid qui viennent plus loin. Epsom Derfray qui va tenter de repartir, il est sous la menace de Ferpé d'Urzy qui vient très vite à l'extérieur, Ferpé d'Urzy qui vient menacer le team Beaumont, Epsom Derfray qui est dépassé également par Falco Davaroche alors que Fragonard des Loups est toujours là en compagnie également d'Edil Dupombreux. Ferpé d'Urzy qui a pris l'avantage très nettement d'ailleurs devant Falco Davaroche qui est en deuxième position, Epsom Derfray qui tente de conserver la troisième place, Ferpé d'Urzy qui a pris nettement l'avantage devant Falco Davaroche, Edil Dupombreux, For You Madrid et Diego Ducanter qui lutte en retrait. Ferpé d'Urzy qui va s'imposer, Ferpé d'Urzy en force. Putain de merde, la grosse plantade. Lors des deux derniers meetings et qui arrive aujourd'hui à renouer avec la victoire sur la grande piste. Il s'impose très facilement pour finir. Jean-Michel Bazir était de retour au circuit. On n'avait pas 7-4, on avait 8-3-5 à mettre en 2 sur 4. Chaque fois, je te dis, j'ai un problème avec ça. Qui va devancer au passage du poteau For You Madrid. Je t'avais dit 3-13-As, 4-14 à mettre en 2 sur 4. Eddy Dupomereux et la 5e. Je ne sais pas lequel enlever. 3, 4, 13, 14 en 2 sur 4, 3, 13, 14, As. Fais chier ce favori de merde. Et le 13 qui nous plante là, avec le. Je mets le 4 à la place, là. Ça m'a perturbé ça. Il n'y a pas de 8 chez moi. Putain de merde. Ça va être compliqué aujourd'hui, les gars. Je vais arrêter aujourd'hui parce que c'est indéchiffrable. On fait un trio quand même tout à l'heure, mais je donne en 2 sur 4, ça fait rien. César, 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 il n'y a que César. 14-2 c'est trop loin, 14 est trop loin. César, ça fait même pas 2 sur 4. C'est pas 4-14, c'est pas 16-As 4-14, c'est 16-As 3-13. J'ai pas choisi le bon, putain de merde. As 4-14, As 3-13, là. 10-As 4-14, putain, fait chier. C'est de la merde, c'est de la merde. C'est compliqué aujourd'hui. J'en refais une et puis si j'ai rien, j'arrête. Hein. Pour les derniers 500 mètres de ce quintet qu'on continue d'analyser sur Equidia Racing, Manuela. Jean-Michel Bazir qui remporte donc le quintet aujourd'hui avec Fairplay d'Urzy. On en a terminé avec ce quintet. On peut débriefer bien sûr sur le Racing 1. On poursuit notre chemin vers Fontainebleau pour la 5e course du programme. Je crois qu'il y a un peu de partance, c'est donc 7, puisque le 7 a été déclaré non partant. Bref. Un petit peu réclamé des 5 ans et au-dessus. Et je vais faire confiance à Groomboy qui descend nettement de catégorie. Hein, c'est un cheval d'ailleurs qui se présente pour la première fois dans cette catégorie dite par Ekiane. 13-3, mon ami, 13-3-8. On a vu triompher, hein, à mi-descendre sur les commandes de peau. T'es bien, Bilalial, 13-3-8. Dans tous les ordres pour les 2e, 3e et 4e places. 6 combinaisons, les associés, c'est As de Carpath. Le numéro 4, Gaston Jack, s'imposait le temps dernier sur le tracé et dans cette catégorie. Et puis le numéro 5, Argentier. Le doyen de la course, Argentier qui a 12 ans, enfin l'un des doyens de la course, le numéro 4,
un cheval qui possède une belle valeur théorique, il est à 59 de valeur, c'est la plus grosse valeur théorique de l'épreuve. Vous m'avez acclamé également pour Argentine, vous êtes équilibré dans les quintés, il y a trois quintés ce cheval. Oui, très cheval. Un peu vieillissant, mais évidemment. Mais... Ça, on ne peut pas foutu quoi. Être très vendu. Allez, on part à Fontainebleau, c'est la cinquième. Cinquième course du programme, effectivement, à réclamer sur le steeple avec sept prétendants au succès, parmi lesquels, effectivement, Argentier, hein, qui semble déjà avoir connu plusieurs vies dans sa carrière. Il y a également Jetstream Jack, hein, qui est à l'image ici, qui a 12 ans. 12 ans chacun pour ces deux chevaux d'obstacle qui s'attendent ici dans cette course à réclamer. Et c'est vrai que les parieurs s'attendent peut-être à un petit match à deux entre Grumboy et Argentier. Deux profils qui se ressemblent un petit peu parce que ce sont deux chevaux qui arrivent des quintets de pôle cet hiver où ils n'ont pas réussi à se mettre en évidence. La différence est que Grumboy lui avait su gagner un handicap, certes sur tapis vert, mais c'était pas un succès. Sans quoi il aurait fini normalement, il avait fini en tout cas la troisième place sur la piste. Grumboy donc favori pour l'entraînement de Gabriel Linders, qui souvent c'est un cheval qui est un peu. Ah, je suis sur le cul là. Sur courant alternatif, c'est un peu comme bon lui semble. Et c'est un cheval qui a largement les moyens de gagner une course comme celle-ci. 14h07. Il y a quelques mois, le départ de la course, 14h07. C'est une belle course pour les amateurs. Il fallait qu'on fasse 13h50 à Vincennes. On a 13, on a le 16 qui fait 6 moins 1, 5. 13h50, quoi. 13,5, 13,6. Rien que ça, ça faisait. Il y avait As-3 qui me plaisait, ou 13. Il était un peu lourd, le 13, mais. J'aurais dû faire confiance. As-3, 13, 4, 14. J'aurais dû faire en 2 sur 4 simplement. 3, 13, 4, 14 en 2 sur 4. C'est une course compliquée, ça. Le favori, il est devant à 200 mètres de l'arrivée et après, il se fait dépasser de partout. Excusez-moi, François, j'avais coupé votre clé. Excusez-moi. Du coup, ça s'est transformé. Voilà. C'est des belles notes, c'est pour ça que ça fait chier. C'est des belles notes, c'était bon à prendre, ça merde. Pardonnez-moi ce message, je vous remercie très agréablement. Au plaisir. Bon, mais je vous laisse. Je plaisante. Je disais que Grumboy s'était quand même passé le distance dans sa jeunesse à peau. Je te parlais des notes à prendre à 11 euros. Il y avait le 3, le 8, l'As ou le 2 à prendre. Non, il y avait 3, 8, As. 3, 8, As à prendre à 11 euros. R1, C1. 3, 8, As 7. 3, 8, As 7, 14. À prendre à 11 euros. T'as vu, t'en as déjà 4. T'en as déjà 3 dans l'arrivée. 3, 8, As. Il y a 7, 14. Bah, on l'a pas, mais. 3, 8, As. Avec 3 8 As, on aurait pu faire nos calculs. Il y avait des cotes R1 C1 à Vincennes, ça représente 11 R1 C1. C'est 11. On ne sait pas tout le temps ça, mais pour cette discipline que c'était ça. Gabriel Linders, c'est là? Il est avec vous? Effectivement. Allez, R3 C5. Qu'est-ce qui vous incite à aller au vraiment plus facile avec Grumboy? R3 C5, 14h07. Qu'est-ce qui fait 14h07? Ce qui m'interpelle, c'est la distance et tout ça, mais on va éviter de regarder parce que sinon on va pas non plus regarder tout, toutes les conneries. Hein. Les trucs qui te portent défaut, faut pas non plus être trop attentif dessus, hein, ça sert à rien. On se dit qu'en redescendant de catégorie, ça va l'amuser peut-être de dominer un petit peu. On va aller devant si personne veut y aller, et puis voilà, c'est une stratégie. Essayer de lui redonner un peu de morale dans des catégories inférieures. Il est capable du meilleur comme du pire, mais... Ça, ils vont pas tous arriver, là. C'est du steeple, c'est 3850 mètres, 8 partants, ils vont pas tous arriver. Ah oui, c'est pour ça que j'ai demandé à Florian d'aller devant, en me disant qu'il allait un petit peu de manière le pousser au cul, et ça va l'amuser de sentir qu'il domine sa course. C'est un peu l'idée. Maintenant, avant qu'on ait un petit peu absolument aller devant, mais on a envie d'essayer comme ça. Donc continue, ça vous est fini, c'est votre seul partant. Oui, bah après on saute des poulains aussi. Beaucoup de poulains? On a le droit à 4. Bah nous on a le droit à 4.
Les autres un peu plus, mais nous, on va tout. Ok, bon, je vais réglerai ça en famille. Ok. Bon, il y en avait 4 la semaine dernière pour écrire ma carte net. 5 avec le Le Clair de Brière, le 6. Gestrem Jack, le 4. Mais je n'étais pas là, donc As de Carpa, le 2. Grand Boy, le LAS. Là, c'est le 2, ils sont pas mal. Hein. Ah, ces deux sont pas mal. Il y en a un qui peut aller plus vite que lui dans le parcours. Ah, c'est départ, c'est 14h07, c'est pas. Ouais, c'est 14h05. 14h07. Si on a là, c'est le 2. Attends. Argentier, j'imagine que Kevin Labbé va rapidement le concerner parce que, avec ses chevaux d'âge, peut-être ne faut-il pas trop se laisser endormir. John Fight, le 3. Sentir qu'il domine, c'est un peu comme pour Homeboy. Il retrouve As de Carpath. Ça a été bon, début mythique à Cagnes, en levant son réclamé. 3-2, 3-4, 3-2, 3-4. C'est passé deuxième année. 3-2 ou 3-4. C'est un peu plus relevé en termes de position. 3-2 ou 4 As, ou 3-4 As. Caroline Bressou, pardon, qui ont donné ce Carpath. Caroline Patricia, adversaire, on va dire, régulièrement sur la piste entre la team Bressou et la team Mutel, mais amis dans la vie, et donc As de Carpath, on est l'un des symboles. C'est également Favas, hein, défendait cet entraînement pour la casette. R3C5, 3-5, 3-5 As, faut égaler 2,8, faut égaler 14h07. 5 et 3, 8, moins 1, 7. 14h07, 5 moins 1, ça fait 4. 14h, 7, on a 4, on a 7. Il faudrait, avec l'As, on a l'As. 3, 5 As, 3, 5 As quoi? 3, 5 As 2, 3, 5 As 6. C'est pas tout jeune, mais c'est pas si vieux que ça. Les chevaux peuvent plus faire de très belles carrières au-delà de 10 ans en obstacle. Et encore, ça c'est en France, mais si vous allez en Angleterre ou en Allemagne, vous en trouvez encore plus. Parce que là-bas, ils seront utilisés plus tard. R3C5, 3-5, les gars. 3-5 As. 3-5 As. On met une bonne note ou pas? Les courses comme ça, ils tombent beaucoup à 6, 2, 4. On va mettre le 2, le 4, le 6. Le 2, le 4 ou le 6? C'est pas le même circuit, donc c'est pas forcément comparable. Deux méthodes différentes. 3-5 As 4. Un trio, peut-être un super 4. 3-5 As 4. Tous les chevaux de Joseph Vanna, j'ai pas réussi à savoir pourquoi. Là, je poste avec Eric Alain Goulier face aux Ligues. Bon, j'arrête après. Hein. C'est une journée nulle. J'arrête. Ça fait rien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on avait hier au Quintet? On avait le 16, on avait l'As. Je reprenais le 16 As pourtant aujourd'hui là. On avait 3, 13, 8. On avait le 13 ici hier aussi, non? Non, on avait As 3 qui faisait 13. On a As 16, As 16 d'hier. On reprend encore aujourd'hui, on a le 3. On a le 13, As 3. Fait chier celui-là ce Quintet là. As 3 avec le 13 hier, le 16 et le 8 hier, on l'avait pas le 8 hier. Fait chier ce Quintet, il fait chier. Il aurait été possible, c'est sûr que c'est ça qui est chiant quoi. C'était une belle histoire de le voir gagner aujourd'hui, nous allons voir cela. Il faudrait qu'il a gagné dimanche. J'aurais bien aimé gagner aujourd'hui, ouais. C'est ça. 2 sur 4 au Quintet, il faisait combien? 3, 13, 4, 14. Ça aurait été possible en 2 sur 4. Simplement. Ça faisait combien? 26 euros. Avec plus. Plus un long partant, je sais pas quoi là. Le Quintet, il vaut cher. Hein, 34 000. Dommage. Pour aujourd'hui. Dommage.
Il y a des quintés comme ça qui nous échappent. Généralement, vers le 22 du mois, généralement, il ne faut pas jouer. 21-22, c'est pas les jours les plus faciles pour miser. C'est sûr que tu regardes la course. Plus que les autres, mais c'est un choix quand même plus. Mais pour jouer contre. Il y a un peu de monde aux courses et pas mal d'enfants. C'est la fin, c'est la oui. Et oui. Une bonne nouvelle. Vous êtes franchement fou dans votre livre. Et oui, Jetstream Jack. Mais Jetstream Jack, il faut qu'il soit aussi dans les chevaux de tête. Alors, certainement. Est-ce que le lot est plus compliqué que lors de sa victoire l'année dernière ici? C'est une bonne question. Je dis oui. Il battait Paolo qui sert derrière a fait une démonstration à Cagnes de mémoire en début de meeting. Mais Fortunato a été régulier, Ball Express aussi. Non, c'est plus fort. Non, c'est plus fort. En tout cas avec Groomboy et Argentier. Enfin, Groomboy c'est sûr et le bon Argentier, c'est une phrase que je ne peux pas utiliser parce qu'on est sûr à 100% qu'on n'est plus sur le Argentier vainqueur de Quintet, mais le Argentier qu'on a vu ici en novembre et à Pau en décembre, lors de sa première sortie, c'est plus fort que la ligne de l'autre fois. Claire Desbrières peut faire une bonne valeur. Eric le Viking on a parfois pris en note une ou deux fois. Avec la LDC en plus. Oui, elle a mis en pression. On a le 5, le favori à 2,5 là. Moi je fais celle-là les gars, j'arrête. Allez, nouvel essai. Au pas. Et tout le monde va aller voir, forcément. J'étais parti au quintet sur As 3 13. Je me dis As 3, c'est quel? C'est 8 3 5 ou As 7 4? Et le 7, il me plaisait bien. Putain, fait chier. Le 13, c'est quoi son... C'était quel nom là, qui me plaisait bien, qui était rigolo là? For You Madric, le 13. Eddy Dupomereux. Falco Davaroche. Fairplay Durzy. Diego de Canter. Le 2, le 14, c'est un peu loin. Le 6, le 10. C'était lequel qui me plaisait bien le nom là? Il n'y a pas un nom qui me plaisait bien le nom. Fredia Dupont le 11. Flyer Magalou. Dandy de Godrel. Fleur de Janeiro. Flamme Vive. C'était lequel qui me plaisait bien le nom? Epson Derfray le 10. Enzo River. Et Voilà de Muse. Ah, c'était un nom bizarre. Et Voilà de Muse du 14. Partant sur l'erreur. Les noms bizarres comme ça, ça arrive souvent à se placer, mais. Les Durzy, les Davaroche, les Madric, les Pomereux, les Ducanter, tout ce qui est avec du devant. Il y a deux noms, il y a du, il y a deux, il y a des apostrophes, c'est pas mal. Ou alors les noms bizarres, et voilà deux muses, comme le 14 qui vient de se courir. Oui, alors il y a les Délo, les. C'était pas des tocards qu'ils ont couru là. Il y a des Gaudrelles, les Gaudrelles, c'est une écurie, les Dupont, les. By Magalou aussi, c'est les Durzy, c'est une écurie, Davaroche, c'est une lignée de chevaux, les Foyaux Madrix, des noms bizarres, Foyaux Madrix du 13, et dit du Pomereux, c'est du Pomereux, Diego Dugout du Canter, c'est du Canter, et Ras Williams, et voilà deux muses. C'est une écurie quand même qu'on retrouve qu'il faut faire attention ces numéros-là, ces choix-là. Si tu cherches vraiment un cinquième à mettre dans ton pari ou un cheval à mettre dans ton pari, oriente-toi vers les deux apostrophes, les deux apostrophes. Enfin, quand il n'y a que ça dans la course, bon, bah, tu sais pas quoi mettre, mais quand il y en a un de temps en temps, c'est pas mal. S'il y en a un de temps en temps à piocher dans les courses, généralement, ça le fait, c'est une écurie, hein, c'est quelque chose. Hein. Hassan, 5, 6, 7, 2. Essaie de combler un peu l'écart sur les premiers. En revanche, Eric le Viking vient toujours plus loin. Et bien, nouveau mano à mano. C'est désormais Éclair des Brières qui reprend l'avantage à Groomboy.
Bomboy qui a pas mal consommé depuis le départ va tenter. Un 6, 3, 5, c'est pas. Il y a 3, 5 as avec le 4, le 6 ou le 2, j'ai aimé. Hein. J'ai pas pris le bon encore. Avec très certainement en retrait de Carpat et Argentier. Direction le bout de la diagonale et donc la butte en terre. Bomboy qui essaie de reprendre l'avantage. Il va y avoir un moment important là, la butte. Ouais, je vais quitter, c'est insupportable aujourd'hui. Déjà, j'ai des tensions déjà personnelles, mais là. En plus, on ne fait rien, c'est pas la peine. Ça va me saouler. On retrouve entre les deux le numéro 3 Gunfight. Il y en a un qui n'a rien fait du parcours, c'est Deltrim Jack qui est dans le siège des premiers. Quentin de Fauteuil ne s'est pas affolé et suit les premiers depuis le départ maintenant. Argentier essaie de regagner les rangs dedans devant As de Carpath et Eric le Viking. La dernière boucle, Broomboy qui a l'avantage de la corde, même s'il renacle un peu à l'effort depuis tout à l'heure. À son extérieur, il y a Gunfight. Deltrim Jack est troisième. Argentier progressivement maintenant revient dans la course, débordant éclair des brières. As de Carpath est à leur intérieur devant Eric le Viking. Le fait se dans le tournant. Broomboy a l'avantage, mais à son extérieur, accroît la pression. Gunfight et surtout Argentier, qui est maintenant en train de trouver sa jolie action et qui vient en dehors avec Jetswim Jack, qui est quatrième devant As de Carpath. C'est dur hein, pour les chevaux de tête, ils sont tous en train de rechigner un petit peu. Ça va pas très vite là pour Gunfight et Broomboy. Argentier ne les regarde même pas en venant à leur extérieur et prend l'avantage maintenant avec Kevin Labbé. Et Jetswim Jack également, qui vient en deuxième position. As de Carpath vient également se mêler à la lutte pour la victoire. La double barrière entre les deux papilles de la course. 24 ans, eux deux. Il y a 12 ans d'abord pour Argentier, 12 ans ensuite pour Jetstream Jack et Broomboy ensuite, qui péniblement essaie de repartir face à As de Carpath. Direction la dernière pour Argentier, qui a le meilleur et qui va essayer d'assurer l'ultime difficulté pour s'imposer une 12e fois dans sa carrière. Et l'histoire se révèle pour Argentier, qui a magnifiquement franchi la dernière. Lui qui n'avait plus gagné depuis pratiquement 2 ans. Lui qui est triple vainqueur de Quintet avec l'un de ses fidèles partenaires, Kevin Labbé. Il va s'imposer pour Eric Leray, le cheval de cœur de l'écurie Leray. Renault avec la victoire, c'est Argentier qui triomphe dans ce réclame. Bon, bah on va arrêter là. Fait que de la merde. 5, 8, 4, 2, 1, sa victoire pour le 5 Argentier, monté par Kevin Labbé, entraîné par Eric Leray. Charlie, je n'ai jamais été aussi heureux de me tromper, puisque je voyais Broomboy devant Argentier. Et Argentier s'impose, et c'est un cheval qui a marqué à l'écart de 5. C'est pas la journée, les gars, j'arrête. Bisous à tous. Ses exploits à peau. Et aujourd'hui, il s'impose à l'âge de 12 ans. Non, on fait rien aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Et toute son équipe, comme dirait l'autre, effectivement, puisqu'aujourd'hui, il a été parfait. Alors, les deux premiers kilomètres, on a eu des doutes. Déjà, j'ai des problèmes personnels à régler. Je suis déstabilisé de mon déménagement, les gars. Je suis déstabilisé. Je suis désolé, mais je suis déstabilisé. J'arrive ici, j'ai la tête en compote depuis 3 ans. En plus, avec la politique qui se trame ici et là sur la planète, je sais pas quoi. Là. Je comprends rien du tout. J'ai l'impression d'être debout, mais je suis avec le... Je fonctionne, je prends des coups de vent, quoi. J'arrive pas à me caler quelque chose. Je vais faire du sport une journée, j'arrête pendant une semaine. C'est chiant, quoi. J'espère que mon énergie va se stabiliser parce que, voilà, là, j'en ai un peu marre. Hier, on fait 2 heures de live, ok. Là, je fais 1h30, mais je sens bien que, ou alors, faut venir plus tard vers R4. Réunion 4. Ouais, on va arrêter là. On va attendre que R3 se finisse. On va revenir en R4. Mais je vais pas revenir. Je suis KO. J'essaie de me poser calmement et réfléchir un petit peu aux ennuis de ma vie, quoi. Mais sinon, voilà. Mais sinon, hein, c'est une bonne méthode. Hein, choper normalement, choper l'heure de départ. T'essayes de faire, là, l'heure de départ, c'était R3-C5, l'heure de départ, hein, je vais te remontrer encore. Hein. R3-C5, l'arrivée, R3-C5. Non, c'est quoi ça? C'était hier, ça? Mais qu'est-ce que j'ai foutu, là? 5-8-4-2, l'arrivée, R3-C5. Il fallait faire 14h07. 5 et 4, 9, 9.8, ça fait 5 et 4, 9. Attends, c'est quoi? 2 fois 4, 8, c'est quoi? 14h07. Bon, 14h07, on a le 4. On a 5 et 2, 7. On a 5 moins 4, on a l'as. Donc on a 14h07.
13h50. Tu vois, on a le 13, 13h50, la course à 13h50, on a le 13, on a 8 moins 3, ça fait 5. 13h25. Alors 13h25, on a 9 et 5, 14 moins 1, ça fait 13. 25, on a le 2 et 5. 13h05, on a As-3 et le 5. 8 moins 3, encore 5. 12h50, on a As-2, on a le 5. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Faudrait essayer. Après, tu as plusieurs calculs qui peuvent donner 2, tu as plusieurs calculs qui peuvent donner 4, tu as plusieurs calculs qui peuvent donner 8, qui peuvent donner 5. C'est là que tu prends un petit peu un autre calcul. Tu calcules avec l'heure déjà ce que ça peut te donner. Tu calcules aussi avec l'arrivée qui vient de se courir là. R3C5, là, qu'est-ce qui vient d'arriver là? Faut le prendre à l'envers par contre. Faut le prendre du cinquième au premier. R3C5, ce qui vient d'arriver, c'est As-2-4-8-5. Donc tu fais aussi As-2-4-8-5. Tu fais avec l'heure 14h25. Et tu fais aussi par rapport à la cote de la plus petite, la 2,9. Excusez-moi, je cherche un peu en vous annonçant les combines à faire, mais je me répète tellement que j'ai l'air fatigué quand je vous dis ça, mais ça marche vraiment, hein, ça marche vraiment. R3-C5, regarde par rapport aussi à la cote du favori, R3-C5, on a 2,5, donc on a 2, on a 5, la cote du favori R3-C5 qui vient de se courir. R3-C5 qui vient de se courir par rapport à R1-C1, la course d'avant, à 8 et 5, 13, on a le 13, on a le 8, on a 8 moins 5, ça fait 3, on a le 3, on a le 13, on a le 8, 5 moins 4, on a l'As, tu vois, 2 fois 8, 16, on a tout, mais il faut trouver le bon calcul. T'as pas 50 calculs, mais t'as plusieurs calculs qui peuvent donner 2, 8 ou 4, ou... donc faut trouver le bon. Tu prends une ardoise, tu fais comme moi, tu fais tes recherches. Et puis, si tu arrives, tu vas aussi sur mes pages Facebook, aussi, tu vas voir, il y a déjà des combinaisons déjà de faites déjà sur ma page. Je suis sûr que déjà ce matin, tu avec les combinaisons que j'ai sur ma page, en haut des pages, en affiche, déjà, il faut choper par rapport à ce moment-là des trois premiers favoris de ta course. Et t'essaies de choper une combinaison avec. Tu vas voir. Tu vas trouver. Allez, bisous l'équipe, j'arrête. Je suis KO. J'ai la tête à l'envers. Allez, bisous les amis.